Je dis reviens ici. Qu'est-ce que je dis? Je n'ai rien fait. Où est-ce que tu penses fuir? Tu sais ce qui se passe dans cette ville, hein? Et c'est pourquoi je vais dans la ville voisine, hein? Tu voyages pour aller où? Tu veux fuir cette cité après toutes les atrocités que ton père a eu à commettre dans cette cité? Maintenant tu veux fuir. Tu sais quoi? Je veux rendre ton voyage très facile. Iwo, Iwo, oh, King of Death. Tout ça c'est pour ton père. N'importe quoi. Iwo, Iwo, oh, King of Devils. Iwo, Iwo, oh, King of Devils. Iwo, Iwo, oh, PJ, je suis très content de t'entendre aujourd'hui. Comment vas-tu? Écoute-moi attentivement. Oui, j'ai posé toutes les questions nécessaires. Il se prépare. Ne t'en fais pas. Au cas où il fait son choix, je suis prêt à assumer. Vraiment, ne t'inquiète de rien. Je vais tout assumer. Oui, tu as raison. C'est très bien ça. Je suis très content de l'entendre venant de toi, OPJ. Tu es juste quelqu'un de très très intelligent. Maintenant, qu'est-ce que tu veux que nous leur fassions? Ça c'est bien ça. Je te dois quelque chose de très, très grand. Des millions de Nera ne sera jamais un grand problème pour moi. Hein? Ça, c'est mon ami. Le monde merveilleux. Ah, néné. Oui, patron. À ton tour. Il y a du feu sur la montagne. Va prendre tes hommes et prépare les véhicules. Ceci est une guerre. Considérez que c'est fait, patron. C'est la guerre. La vraie guerre. Iwo, Iwo, oh, King of Devils. Iwo, Iwo, Je ne veux plus entendre ce conseil que tu es en train de me donner. Attends d'abord que je te dise, si on ne fait absolument rien à propos de cette pauvreté dans notre famille, je te jure devant Dieu que je vais l'utiliser pour des rituels. N'es-tu pas fatigué de rester dans la pauvreté? Pendant combien de temps allons-nous rester dans la pauvreté? Ce n'est pas une raison pour toi de sacrifier ta mère à cause de l'argent. Je ne suis pas d'accord. Ma décision est déjà prise. Je vais utiliser maman pour des rituels. Et peu importe que tu le veuilles ou pas, personne ne va m'arrêter. Ça ne sera pas possible. Je ne te permettrai pas de sacrifier notre maman juste parce que je veux avoir de l'argent sale. Ça ne sera pas possible. Comment oses-tu? Comment oses-tu crier sur moi? Est-ce que tu réalises que je suis ton grand frère? Maintenant, mets ça dans ta tête. Que tu le veuilles ou pas, je ferai tout ce qui me semble bon. Je ferai ce qui me semble bon et rien ne pourra m'empêcher. Ça ne sera pas possible! Non! Tu ne peux pas sacrifier notre mère! Dans ce cas, attends voir. Je ne te le permettrai pas! Pas du tout! Pas question, je te dis! Non! Non!
n'arrivera jamais. N'importe quoi. C'est bon, j'aimerais que tu saches. Tout ce que tu traverses en ces moments n'est pas du tout éternel. Ça finira par passer. J'aimerais que tu puisses mettre toute ta confiance en Dieu. Et tu verras sa main dans ta vie. Amen. Comment va ta femme maintenant? Je l'avais amenée à l'hôpital. Et je m'étais d'abord décidé de venir. Ok, pas de problème. Je pense que tout se passe bien pour elle. J'irai là-bas dans les après-midi. J'irai là-bas pour la voir. Afin que je sache aussi comment c'est bon. Elle n'a personne pour très bien prendre soin d'elle. Pas de problème. Qu'elle soit guérie au nom de Jésus. Nous continuons de prier pour elle. D'accord. Amen. Et aussi à propos de la prière, n'oublie jamais de prier. D'accord. Merci énormément.
partir. Arrête-toi là. Écoute, 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 écoute. Donne-moi l'argent que tu as caché là-bas. Donne-le-moi. Stupide. Bonsoir ma sœur, nous sommes venus partager la parole de Dieu avec toi. La parole de Dieu nous dit ceci. S'il te plaît ma sœur, peux-tu lire pour nous? Alors Dieu dit dans ses livres de vie, « Je suis le Dieu Tout-Puissant, le Dieu qui donne la vie et qui est au-dessus de tous les dieux, dans les cieux et sur la terre. Il n'a pas existé un Dieu qui vient avant moi. » Et il y a aussi un verset de la Bible qui dit ceci. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Ma sœur, à quoi sert un homme de gagner tous ces mondes, mais de perdre le royaume des cieux? Alors s'il te plaît, le moment est venu pour toi pour te répondre. Réponds-toi, ma sœur, car le royaume des cieux. Dans cette même Bible, cette même Bible déclare, même le dernier jour du jugement, le royaume des cieux appartient aux violents. Et nous autres les bénéficierons par force. Alors ma sœur, as-tu pris le temps de me regarder en face avant de venir me prêcher la parole de Dieu? Fallait prendre le temps de me regarder. Tu veux me prêcher? Est-ce que tu m'avais bien regardé? Comme tu veux le royaume des cieux, laisse-moi t'aider. Toi, donc tu veux me prêcher? Donc vous n'avez pas vu une autre personne? C'est moi que vous avez considéré comme la plus pécheresse de ce monde pour venir me prêcher, vous êtes folle! Venez encore me prêcher, idiote! Regardez-moi celle-là, idiote, avec la stupide Bible! La Bible est idiote! Écoute, John, ouvre cet argent, prenons-le. On verra maintenant celui qui viendra nous le demander. C'est notre argent, ouvre-le. Attends, non. Jack, mais qu'est-ce que c'est? Cet argent était 200 naira que cette fille avait caché là-bas. Il courait même comme si... Écoute, 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 mon cher. Ce n'est pas même beaucoup d'argent. Dieu. C'est toi. Je devais prévenir de ne pas la suivre. Tu vois, maintenant, nous n'avons eu que peu d'argent. C'est une fausse affaire. Non, sois calme. Calme vraiment ton esprit. Nous allons poursuivre cette fille-là. Nous allons la poursuivre. Jack, si tu n'étais pas toi, j'allais déjà sauter sur toi. Sois calme, mon cher. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux m'intimider? Cet argent que nous avons eu, c'est 1 million. Bon, maintenant là, je te dis la vérité. Je te dis quoi, mon esprit? Mon esprit est correct. Oh, Jack, mon cher. L'affaire est que Hugo va me donner le numéro et je vais descendre sur le terrain pour faire l'opération. Regarde cette grande maison, mais il n'y a rien à l'intérieur. Comment est-ce que je peux croire, tu vois? Parce que je viens de faire affaire avec toi. Non, mon cher, calme-toi. Prends d'abord ça, prends d'abord ça. Prends d'abord ça, on va ajouter à la prochaine opération. On va ajouter, hein? On va ajouter. Hein? Garde d'abord ça. On va régler ta situation à la prochaine opération. Garde ça. Mon cher, partons d'ici. Partons. Iwo, King of Devils. Iwo, King of Devils. Yeah.
tu courras dans la mer sera en train de bouillonner. Tu courras dans les pierres, elles vont se casser. Je suis le roi de tous les démons. Et ne fais jamais confiance aux officiers de police. King of Devils. Quelqu'un qui peut m'aider ici. Bonjour, je suis en train de chercher le maître Mind. En tout cas, ça fait très très longtemps que je l'ai vu. Ah, il est sorti quand Lucie à l'ordre de sa sœur et Eva. Si tu veux la voir, il faut aller chercher où se trouve sa mère. Sa mère est devenue folle et elle est toujours avec elle. C'est ce que j'ai appris, je n'ai pas trop de détails. Sa mère est devenue folle? Tu es sérieux? C'est ce que je sais. Ok, et c'est quoi ton nom? Cléophas. Et si quelqu'un venait ici, il faut lui parler de EKD, d'accord? D'accord, monsieur. Maintenant, donne-moi cet argent ou sinon je vais finir avec toi bizarrement. Qu'est-ce que je t'ai fait de mal? Laisse-moi aller, laisse-moi s'il te plaît, je t'en prie. Fille d'une femme folle, maintenant il est temps que je couche avec toi. Quoi? Je préfère mourir que de te donner mon corps. Tu penses que je blague, n'est-ce pas? Non. Tu non. penses que je blague? Laisse-moi tranquille, laisse-moi, laisse-moi tranquille. Lâche-moi, je refuse. Laisse-moi, laisse-moi, je refuse. Ne t'en fais pas, ne t'en fais pas. J'irai l'accuser chez son père pour qu'il ne revienne plus à cet acte. Ne t'inquiète pas de ces garçons de la rue, ok? D'accord. Désolé. Ok. Je suis parti maintenant. Surtout surveille tes mouvements. Ok, je le ferai. Ok, c'est bien. Je le ferai. Ok, au revoir. Oui. Bye. We don't send you, oh, yeah. We don't send you, oh, 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 we don't see your face, so we not the fear anybody. If you mess up, we go hit you, waka, waka.
We know send anybody. Send anybody. Boss, nous devons célébrer ce véhicule. Nous devons le célébrer. Et du moins, nous pouvons s'acheter même une chèvre. Bien sûr, tu le sais. Parce que au moins, je sais que ça mérite au moins une célébration. Ça mérite une célébration. Je vous comprends. Donne-moi celui-ci. Et c'est qui appelle comme ça? Oui? Oui. Qui cherches-tu? Allô, oui, je cherche Monsieur Eddy. À l'appareil, camarade Eddy. Alors, avec qui suis-je en train de parler? Monsieur Eddy, moi et mes agents, nous venons de faire l'enquête de l'assassinat d'un monsieur au nom de Koye et Damien. Il a été assassiné aujourd'hui, les après-midi. Et la dernière personne que nous venons de voir avec cette voiture, c'est Koindia. Je suis correct, monsieur. Monsieur l'inspecteur, ou peu importe comment on vous appelle, vous vous êtes trompé. Ok? Oui. Vous vous êtes trompé? Monsieur l'inspecteur, savez-vous à qui vous parlez? Vous parlez au camarade Eddy. L'homme le mieux connu de toute cette ville. Monsieur Eddy, nos agents attendent pour traiter ces cas. Et je souhaiterais que tu viennes au bureau. C'est un ordre. Afin de bien traiter ces dossiers. Tu peux être un idiot qui ne connaît pas faire son devoir et qui ne connaît pas qu'il ne connaît pas faire son devoir. Écoute-moi très bien. Je veux maintenant que toi et tes hommes veniez ici chez moi. Et si vous ne les faites pas, vous allez tous voir une autre version de moi. Oui. Boss, qui était ce fou? Je pense que nous allons bientôt le retrouver. Vous êtes arrêté, ne fouillez pas. Tiens-toi debout. Tiens-toi debout. Tiens-toi debout. Vas-y là-bas. Vas-y là-bas. Tiens-toi debout. Vas-y là-bas. Tiens-toi debout. Debout. Vas-y là-bas. Allez, vas-y. Entre dans la voiture. Entre là-bas. Entre. Entre là-bas. Entre. Entre vite dans la voiture. Entre. He war, are king of devils.
Qui est là? C'est Ekedi. Quoi? Ouvre. Qui est là? Qui je vois là? Donc c'est vrai? Oh mon Dieu! Oh, comment ça va? Je vais bien. Et qui dit, je n'arrive pas à le croire. Je n'arrive pas à croire que tu es en vie. Et tu vois, je suis là. Je suis très contente de te voir. Alors, je suis de retour pour remettre les choses en ordre. Hein? De toutes les façons, il est quand même ton homme. Hein? Mais depuis que je suis là, je ne l'ai pas vu. Maintenant. Cindy, qu'est-ce qu'il y a? Tu n'as pas eu une bonne tête en fait. Où est-il? Où est Medman? C'est quoi le problème? Honnêtement, bébé, je ne supporte pas de voir tout ce que tu fais comme action. Pour l'amour de Dieu, nous savons tout ce qui est Messie Eddie. Il n'est pas quelqu'un de confiance. Oui, il n'est pas quelqu'un de confiance. Bébé, faudrait juste que tu te calmes, ok? Écoute, je sais ce que j'ai fait. Je veux juste que tu me fasses confiance. Oui. Je veux dire, je le fais comme si quelqu'un qui connaît exactement toutes les parties de ton corps. En tout cas, ce n'est pas la première fois que je fasse affaire avec cet homme. Et ça ne sera pas la dernière. Alors fais-moi confiance. Tu veux utiliser ta mère? Dis-moi. Je peux pas croire qu'à cause d'argent, tu préfères utiliser ta mère pour le sacrifice. Est-ce que tu peux l'arrêter? Arrête ça. Arrête ça. Mais non, tout ceci commence à me rendre si folle, je ne supporte pas. C'est quoi au juste? La personne dont nous parlons ici, c'est ma propre mère, et non ta mère. Tu penses que je peux être si stupide pour tuer ma mère? Écoute, tu dois d'abord comprendre que tout ce que je fais, c'est pour notre bien, c'est pour notre propre protection. Et d'ailleurs, lui-même aussi a sacrifié sa propre mère. Notre accord était juste de la rendre temporairement folle, et non pour toujours. Alors pourquoi tu dois énormément t'inquiéter à propos de ça? Alors comment es-tu sûr que le parent de Messie est... sont encore en vie? Comment es-tu sûr? Hein? Bien. En tout cas, c'est une très bonne question qui mérite de réponse. Je pense que je sais quoi faire. Prudent, vois le mal de loin et se cache. Je ne sais pas comment tu te laisses manipuler par ce type. Ouvre tes yeux, tu risqueras de sortir perdant dans cette affaire. C'est quoi ça? La façon dont ça s'est fait, ce n'est pas comme prédit. Ça ne s'est pas passé comme je le désirais. Medman a utilisé sa mère pour le rituel. Mais c'est Heidi l'a aidé à le faire. Je ne sais pas, mais je vois qu'il finirait par les tuer. Ça, c'est impossible. Si quelque chose arrive à Medman, je vais rendre son pays un enfer. Adessa, considère ça comme une promesse. Je vais libérer Medman de partout où il sera. C'est une promesse. Au moins je te parle. Hey, il y a des gens partout. On tue les gens. Ah bon? S'il te plaît, j'en ai marre. Hey, je sors de ce village.
Écoute, tu restes ici. Non, je pars. Non, allez-y. Allons-y. Pourquoi t'es tué pour rien? Arrête. Stop, we go hit you back and back. Boss. Oui. Comment est-ce que ça s'est passé? Boss, Sandra a été arrêtée. Nous n'avons pas pu la sortir de là. Donc vous ne pouvez même pas bien faire le travail que je vous ai assigné. Alors où se trouve mon frère Alexandre? Qu'est-ce qui se passe? Où se trouve Alexandre, mon frère? Quoi? Je dis, où se trouve Alexandre, mon frère? Pourquoi ne me répondez-vous pas comme si vous êtes de muet? J'ai dit, où se trouve Alexandre, mon frère? Bon, je suis désolé, nous l'avons perdu. Attends un peu. Excuse-moi. Est-ce que c'est vrai? Vous avez laissé partir mon propre frère? Pourquoi est-ce que vous n'avez pas pu les protéger? Vous avez laissé partir Alexandre? Tu me dis maintenant? Donc, Alexandre est parti? Je sais, je suis désolé, boss. Je sais qui est le suspect. Maintenant, dis-moi, c'est qui le suspect? Maintenant, dis-moi. Ce n'est pas autre personne que Ekede. Ekedi? Donc, vous avez laissé Ekedi tuer mon frère? Ah! Mon frère? Non. Qu'est-ce que c'est? Mais en fait, tu fais quoi? Où vas-tu avec l'argent? Que veux-tu dire par là? Nous étions tous d'accord de venir ici pour partager l'argent. Mais qu'est-ce qui se passe? Nous avons gagné le combat ensemble. Alors, partageons l'argent comme nous nous sommes entendus. Partager l'argent avec qui? Toi? Est-ce que tu es fou? Est-ce que tu es normal? Est-ce que tu es normal? Est-ce que tu es en train de passer comme acte? Est-ce que ton cerveau fonctionne? Nous sommes allés ensemble, nous avons pris ce risque et je pris ce risque. Alors voici l'argent. Nous sommes ici pour partager l'argent. Donnez-moi ma part, je vais m'en aller. Est-ce que c'est pour rien que tu es en train de demander cet argent? Et c'est parce que tu sais très bien que j'ai pris ce risque. Nous ne pouvons pas partager cet argent jusqu'à ce que mon boss... Qui est ton boss? Qui est ton boss? Il est resté là-bas en train de faire ses affaires qui sait. Je suis parti à des endroits bizarres. J'ai pris les risques pour prendre de l'argent. Maintenant tu me parles du boss. Est-ce que je voyais ton boss là pendant que j'ai souffert? Ne me cherche pas mon cher. Alors tu... Donc tu as vraiment le courage de demander c'est qui mon boss? Arrête cette affaire. Tu as le courage Je n'ai rien à foutre avec qui que ce soit mon cher. Partage Donc, cet argent. Donc tu as vraiment demandé... Et l'argent est ici, partageons-le. Partageons cet argent, c'est tout ce dont j'ai besoin, pas plus. Oh, donc tu cherches à révéler le démon. Bien, c'est ce que tu veux dire? Non, je ne comprends pas tout ce que je disais. Mais sachez que nous devons le partager. Je ne maîtrise pas ce que je suis en train de dire. Vous comprenez?
Je n'ai rien à foutre avec ce que vous voulez dire. Partageons-les, partageons-les. Tu vois maintenant, il fait assez de bruit. Dans ce cas, il a même plus droit à ses sacs. Maintenant, il a metté son sort. Nous pouvons maintenant partir. Non. Je ne peux pas croire à ça. C'est moi-même qui ai personnellement tué sur Ekedi. Hein? De quoi es-tu en train de parler exactement? Votre manière de faire n'est pas la bonne. Boss, si Ekedi devait être en vie, il allait sûrement nous brusquer avec Madman. Je sais ce que ça signifie. Il cherchait d'avoir sa part après l'opération. Le chef d'opération lui a dit non. Et il s'est mis à insulter le leader, sans se rendre compte à qui il parlait. Donc tu confirmes que Kedi a été tué brutalement? Donne-moi ce téléphone. Cairo. Oui, boss. Rapidement. Retirez le souffle de cette personne. Donc, vous avez dit que je le retire le souffle? Écoute, je ne vais plus me répéter, Cairo. J'ai dit... Sois très prudent. Et durant les prochaines heures, je veux voir la tête de cette personne. Sur ma table. Est-ce que je me suis très bien fait comprendre? D'accord, boss. Ça, c'est la voix. Ça, c'est la voix mélodique de ces bâtards. Très bien, Cairo. J'ai entendu le son qui était très clair et très haut. Oui, boss. 2 millions de naira pour toi. Oui, boss, que je mette le corps où? 2 millions de naira pour toi. Alors, le travail complet sera fait. Sois-en sûr. C'est très bien. Oh, King of Devils. You are King of Devils. You are King of Devils. Jeune homme, au lieu de les tirer, toi tu tires en l'air. Tu as reçu l'ordre de me trapper exécuté, c'est quoi? Tire directement ce type nyarien qui va arriver. Qu'est-ce que tu fais? Fais ce que le boss t'a dit. J'ai dit fais ce que le boss t'a dit et tu me regardes? Mon pote, détache-les. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi, mon gars? Hein? As-tu perdu ta tête? Peut-être oui. Ah! Maintenant, délire avant que je ne tire sur toi. Ok, rapidement. Maintenant, viens ouvrir les yeux, pieds. Viens ouvrir les pieds. D'accord. Hey, Cairo mon gars. Oh, je suis de retour. Tu m'as beaucoup manqué. Hein? Moi aussi je t'ai beaucoup manqué. Oh, j'ai manqué tout ceci. Cairo, Il y a quelque chose que je veux que tu fasses pour moi. Peu importe ce que tu veux, tu sais que je ne peux pas le faire. Écoute, j'ai besoin de certaines informations concernant Messier Eddy. Et je le veux maintenant même. En tout cas pour moi, je n'ai pas d'autre issue. Ok. J'étais là, c'est DJ. Je ne doute jamais de toi de vous. Sérieusement, je te le dis, je suis très content de l'entendre de l'homme de toi. Bâtard. Oui, c'est moi. C'est moi qui suis le plus fort. Aussi connu comme le plus puissant. Aussi connu comme le seul qui restera lorsque tout le monde mourra. Je vous avais promis que je vais revenir pour vous tous.
des bâtards. C'est maintenant ça ma nouvelle chanson. Je veux continuer à vous tuer vous tous. Je veux continuer à vous tuer tous. Scorpion, c'est le cri de ma voix. Que le boss vienne s'en charger avec ses corps. Cette femme pète le plomb, où est le chef? Qu'il vienne, nous voulons nous débarrasser de cette affaire afin de quitter ici. Je l'appelle pour un problème sérieux mais il ne comprend pas. Faites-le aussi. Oh... Les hommes. Oh boss, oui, nous sommes contents comme tu es venu. Vous avez très bien fait. Et si je peux demander, c'est qui cette petite fille avec elle? Je veux qu'elle soit seule. Boss, je pense que c'est sa fille. Et elle allait nous accuser à la police. C'est pourquoi nous l'avons amenée ici, boss. Si seulement c'est le cas, si elle est une intrus, dans ce cas, jetez-la dans la rivière. Oh, oui. S'il vous plaît, à l'aide! À l'aide, s'il vous plaît! Boss. Aidez-moi! Considère que c'est fait, boss. Emmenez-la avec moi. Madame. Ferme-la et lève-toi. 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 Va là-bas. Va là-bas vite. Va là-bas. Et toi là, ferme ta bouche. Au secours! Ah! Allez! Scorpion, elle est où? Non. Attends. Elle peut aller où? Elle était ici. Mais elle était aussi ici, non? Non, calme-toi. Allons-y la chercher. Allons-y la chercher. Écoute. Tu sais, j'ai aussi utilisé ma mère, ma très 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 chère mère, et ça m'a donné la puissance. J'ai reçu la puissance. Et si tu fais l'appareil, toute la puissance sera tienne. Je veux que tu comprennes cela. Oh mon Dieu. En tout cas, chef, cette tâche est vraiment difficile.
Et n'oublie pas que ça sera après avoir construit un empire très 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 puissant. Et seulement avec ces pouvoirs, lorsque nous prenions ces pouvoirs, prenons ces pouvoirs, et à cause de ta mère, juste comme je l'ai fait, comprends cela. Je ne peux pas m'imaginer moi-même en train de sacrifier ou bien de rendre ma mère folle. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas une chose difficile. Ça sera très très facile. Je veux dire, c'est vraiment inexplicable, chef. Ma mère et ma sœur sont les seules personnes qui me restent. Je veux dire, je ne m'imagine pas en train de faire cela. Attends, je te dise. Cette mère que tu essaies maintenant là de protéger ses intérêts va mourir un jour. Tu peux être celui qui mourra avant même que cette mère ne meure. Alors pourquoi ne pas chercher à acquérir cette puissance? Cherche à avoir cette puissance afin que le monde soit le tien. Et toi, tu seras celui qui sera sur le trône. Sois juste calme, d'accord? C'est bon. Ça va passer. Mais je n'arrive pas. Je ne peux pas me calmer. Franchement, je commence à m'en faire. Rien. Allô? Allô? Et qui dit? Medban. Ah, mon cher, c'est comment? L'homme qui est fait comme une machine. Je n'ai même pas t'expliqué, hein? Toi-même tu sais, non? Hein? L'homme qui est le plus fort. Medman, le grand homme le plus puissant d'homme sans ennemi. Mais attends d'abord, où te trouves-tu? Attends. J'arrive maintenant même avec ta copine, ok? J'arrive. Attends, tu es avec ma petite amie Sandra? Pas de problème. Tu vois, hein, y a beaucoup de choses qui se sont passées, ok? Attends-moi, il n'y a pas de problème, je vais t'expliquer. D'accord alors. C'est un homme, hein. C'est Medman. Mon Dieu. Mm-hmm. Quoi? Medman. Attends, tu essaies de me dire que mon Medman est en vie. Et c'est lui qui vient de t'appeler maintenant. Oh mais non, attends, il est où, dis-moi? Il est en train de venir chez toi, alors allons-y. Oh mon Dieu, je n'y crois pas. Tu vois maintenant que je te plaignais pour lui. Allons-y. Medman. Si nous t'attrapons aujourd'hui, tu vas maudire les jours de ta naissance. Cherchons-les partout et attrapons-les. Si nous t'attrapons cette fois-ci, c'est fini pour toi. Scorpion. Scorpion, écoute. Assieds-toi. Qu'est-ce que nous avons fait? Tu vois vraiment comment elle s'est échappée? Écoute, je t'ai dit. Si elle part nous accuser à la police, est-ce que tu peux avoir raison? C'est vrai, tu as raison. La police viendra nous arrêter. Écoute, Scorpion, nous devons trouver cette fille. Oui. Mon pote, pose-toi ici. Si elle nous accuse, nous serons arrêtés. Dans ce cas, allons-y. Moi, je vais la trouver. Allons-y. Moi, je vais la trouver partout où elle se cache. Allons-y la chercher, mon cher. On y va.
Oh mon Dieu. Réveille-toi. Il y a quelqu'un ici. Au secours. Au secours. Réveille-toi. Réveille-toi, non. Réveille-toi. Réveille-toi. Oh. Réveille-toi, s'il te plaît. Réveille-toi. S'il te plaît, réveille-toi. Oh, réveille-toi. Réveille-toi, non, s'il te plaît. Au secours. Voyons, mais qu'est-ce qu'il y a? Prends cet appel, non? Hein? Bon, s'il y a un problème? Il ne répond pas. Cairo ne veut plus prendre mon appel. Je l'ai appelé de nombreuses fois. Mais tu dois être prudent. Il y a quelque chose qui va mal quelque part. Par rapport à tout ça, boss, qu'est-ce que vous insinuez, boss? Mais je pense qu'il n'y a rien au hasard. Parce que je sais qu'il est les démons. Je te dis. D'accord. Je vous ai bien saisi, boss. Alors, laissez-moi sortir voir ce qui se passe là-bas. Et je vais vous revenir. Sois très très rapide dans ce cas. Bien compris, boss. Nous devons savoir ce qui se passe exactement. Et qu'est-ce qui fait que jusque-là, ils ne prennent pas mes appels. Bidik bidik bada bada. Brak brak brik 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 bo. Ya ga ye ya 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 yo yo yo. Je tirais sur un animal et directement tu te mets. Remercions le Seigneur parce que tu as. Car je ne sais pas ce que j'allais dire. Ah mon Dieu. Écoutez, j'étais en train de fuir, provenant du camp des criminels qui avaient pris ma mère en captivité. Ils ont emmené ma mère dans la forêt.
C'est alors que j'avais profité pour prendre fuite. Cette situation de la forêt devient tellement compliquée dans ce village. Ah, où suis-je alors? Ici c'est Soundé. Hein? Et Magita. Magita? Ah! Ah! Calme-toi. Que je me calme. Écoutez, je suis de Djabi, à Abuja. S'il vous plaît, je veux rentrer chez nous. Calme-toi. Pas maintenant. Tu dois d'abord te reposer pour quelques heures. Non, je suis désolée. Je dois rentrer. Je dois rentrer. Oui. Qui est là? Oh, tu m'as manqué. Je suis très content de te revoir. Mon amour, tu m'as manqué. Oui, mon gars à moi. Mon chéri. Oh. Oui. Calme-toi. Oh, chéri. Tu m'as aussi manqué. Bébé, tu es rayonnante. Hein? Madman. Oh. Mon cher, c'est comment? Mon ami, tu vas très heureux de te voir. Qu'est-ce qui t'est arrivé? En passant, j'ai beaucoup entendu sur toi. Et c'est quoi le problème? Mon frère, c'est une très très longue histoire. Une très 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 longue histoire. Mon cher, beaucoup de choses se sont passées pendant que tu n'étais pas là. Ne t'inquiète pas, je vais te donner détail sur détail, ok? Comme par exemple maintenant. Bienvenue encore. Mon gars, je t'aime. Mon cher, beaucoup de choses se sont passées. Beaucoup de choses se sont passées pendant que tu n'étais pas là. Je veux dire, le roi des démons, il m'a biaisé. Il m'a trompé. Il a cherché à me détruire. Mais je te jure, nous n'avons pas encore fini avec lui. Je te jure, ce n'est pas encore fini pour lui. Ouais, c'est très bien que tout soit passé ainsi. Et maintenant, vous savez comment vous positionner. Ok. Ça veut simplement dire deux choses. On a deux ennemis maintenant. Et c'est premièrement, c'est celui qu'on appelle le roi des démons, ou je sais même pas s'il est encore en vie. Hein? Il est vraiment déjà dans la vieillesse. Ainsi que la police. En tout cas, c'est moi. Aussi connu comme l'homme le plus fort. Je jure devant Dieu que ce roi des démons et toute sa génération danseront sur mon nom célèbre. Je ne vais pas me fatiguer jusqu'à ce que tout membre de sa famille périsse un par un. J'en ai tout dit. Tu as été parmi eux? Combien sont-ils? Ils sont 75 en nombre. Bien, Caro m'avait donné toutes les informations dont j'avais besoin pendant que j'étais encore leur captif. Ok. Ça veut simplement dire une chose. Il y a beaucoup d'hommes à tuer. Tu sais que j'ai toujours sous-estimé et ces soi-disant rois des démons. Mais maintenant, je vois qu'il y a beaucoup de travail à faire. Mais je te promets une chose. Je l'appelle un hors-la-loi. Tu sais quoi? Moi, Ekédé, je n'ai jamais replié une fois. Et je ne commencerai jamais aujourd'hui. Je vais assiéger cette cité. Je vais assiéger cette ville. Beaucoup plus précisément avec ce roi des démons. Je vais le mettre de côté sur mon chemin. Personne d'entre eux, personne ne va esquiver. Qui sera le premier à être tué? Maintenant, nous là sommes revenus. Non, 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 non. Franchement, avec tout ceci, avec tout ce qui s'est passé,
Mon sang est devenu chaud. Je te dis vrai. J'ai envie de tuer quelqu'un. J'ai envie de faire du mal. J'ai envie d'arracher quelqu'un la figure. Ah. Allez, chérie. Viens. Tu vois, j'ai quitté le village il y a quelques années passées. Après la mort de mon père et la décision finale de ma famille. Mais ne penses-tu pas que l'esprit méchant peut commencer à te chercher? Bien évidemment. Je sais qu'ils vont me trouver. Mais avant cela, je dois faire quelque chose d'important. Et qu'est-ce que ça peut être? Les rêves sont tellement compliqués et tellement dangereux. Mais jour après jour, je n'ai fait que compter sur le Seigneur et sa puissance magique qui est plus que toute autre chose dans ce monde. C'est même pour quelle cause? Je sais que tu te demandes comment. C'est tellement mystérieux cette puissance. Et tu obtiendras tout ce que tu auras besoin dans ce monde. Dans ce cas, je suis intéressée. Parce que... je dois retrouver ceux qui ont tué ma mère. Je dois leur faire du mal. Ils doivent payer pour leur péché. Oui. Ne t'inquiète pas. Demain. Allô? Allô, chérie? Oui? Allô, chérie? Comment ça va? Chérie, je suis tellement en danger maintenant. Ah! Quoi? Comment? Où est-ce que tu es maintenant? Oui, où es-tu? Hein? Je suis juste... Au coin de la grande avenue. Oh, ok, ça va. Attends là-bas. Hein. Attends-moi là-bas, je viens tout de suite là te prendre. D'accord, je t'attends. Jésus, mon Dieu. Ça fait mal, lentement. Comment tu te
Oui, oui, c'est comme ça. Fais ça, c'est bon. Oui. Vas-y. Ok, c'est ça. Un peu de soleil. Oui, c'est ici. C'est ici. Suffocating, never coming close, your papa stay police. I'm sighting from afar, but you always on the run. Yeah. Oh my God, walking in the front. Made up in the worst time anyway. Maybe I'm the ambitious with the pain. Give me all attention, so delay. We go live for life, no passing ways. It's funny, the whole world's a man. But I can't give up, my love is calling. Phenomenally, I still come from it. This is what my heart just keep on yearning. Of you and I will keep me always suffocating. Never coming close, your papa stay police. I'm sighting from afar, but you always on the run. Yeah. Oh my God, walking in the front. Made up in the worst time anyway. Maybe I'm the bitch, I'm sweetie, baby.
always suffocating. Never coming close, your papa stay policing. I sight you from afar, but you always on the run. Yeah. Oh my God, walking in the fun. Made up in the waste time anyway. Maybe I don't be shots with the pain. Give me all attention, so delay. We gon' live for life, no parting ways. It's funny, the whole world's a mania, but I can't give up, my love is calling me. Phenomenally, I still come from it. This is what my heart just keep on yearning for. It's funny, the whole world's a mania, but I can't give up, my love is calling me. Phenomenally, I still come from it. This is what my heart keep yearning for. Maman, courage, ça va aller. Oh, ça ira. Courage, désolé. Désolé. Désolé, non, maman, ça va aller. Hein? Rêvez-moi ce que je t'ai donné. Oh! Non, ne donne pas, sinon tu vas mourir. N'essaye pas, n'essaye pas. Pour dire ça. Maman, s'il te plaît. Donnez-moi la fille. Rendez-moi la fille. Rendez-la moi. Alors viens, vite. Viens. Nous devons célébrer ce véhicule. Nous devons le célébrer. Du moins, on doit s'acheter une chèvre. Mais bien sûr, je sais, ça doit quand même marcher comme ça parce que tu sais, ça va être une célébration. Ouais. Oui. Je vous crois. Donne-moi ce téléphone. C'est qui cette personne qui appelle? Allô? Oui? À qui ai-je l'honneur? Oui, allô, est-ce que c'est Monsieur Di au téléphone? Ici à l'appareil, camarade Eddy. Alors, c'est qui avec qui je parle? Monsieur Di, moi et mes agents, nous venons de faire l'enquête de l'assassinat des messieurs Okoye Damien. Qui a été assassiné aujourd'hui? Juste cet après-midi. Et tu es la dernière personne à qui nous avons vu avec ces véhicules. Ça vient d'être là bientôt, je suis correct, messieurs. Monsieur l'inspecteur, ou peu importe comment on t'appelle, tu t'es trompé. Oui. Tu t'es trompé. Monsieur l'inspecteur, connais-tu la personne à qui tu parles? C'est les camarades, Eddy. L'homme le plus connu dans cette ville. S'il vous plaît, monsieur Eddy, moi et mes agents nous t'attendons pour traiter ces cas. Je souhaiterais que tu viennes toi-même au bureau. C'est un ordre à exécuter pour se débarrasser de ces cas. Tu peux être un idiot.
qui ne sait pas faire ses tâches et qui ne sait pas qu'il ne sait pas faire toutes ses tâches. Écoute-moi maintenant. Je veux que toi et tes hommes veniez ici. Et si vous refusez de le faire, vous allez voir un autre côté de moi. Oui. Boss, qui était ce fou? Je pense que nous allons bientôt le retrouver. Attendez. Qu'est-ce qui se passe exactement? Hein? Les hommes, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qui a donné à cet idiot? Qui a donné à ces bâtards le courage pour venir chercher le contrôle de cette ville? Cette ville que je dirige depuis très très longtemps. Qui a fait ça? Boss, c'est vraiment difficile. Boss, ce n'est pas une fille ordinaire. Ça ne tient pas toujours. Je ne crois pas à mes yeux. Boss, elle est difficile pour rattraper. C'est difficile. Boss, en tout cas, cette fille n'est pas claire. Et elle n'est pas du tout ordinaire. Je pense que cette fille est une sirène. Oui, oui, elle est une sirène. Oui, elle est une sirène. Il peut avoir raison. Il peut avoir raison. Oui. Mais la question est... Est-ce que cette sirène en question est-elle plus forte que nous? Boss. En tout cas, cette sirène n'est pas plus forte que nous. Je ne peux pas le dire. Si seulement je la voyais de mon propre yeux, je veux la tuer. Je veux la tuer. Attendez. Boss. Je veux juste que vous puissiez vous calmer. C'est pas important que vous disiez toutes ces choses. En ce moment précis, tout ce que vous direz n'aura aucun effet. Peu importe ce qu'ils veulent, moi je m'en fous. Elle a choisi de mauvais adversaires. Nous allons l'éliminer. Nous allons la tuer. Et vous, calmez-vous. Calmez-vous. Oui, allô? Qui est-ce? Et qui dit? Donne. Allô? Oui? Ekedi? Ne t'inquiète pas. Juste prends ton bain et quoi? Tu verras ce que je t'ai réservé. Qu'est-ce que c'est? Oh,
Ce n'est pas possible. Oh mon Dieu. Qu'est-ce que c'est? Hey! Johnson! Johnson! Bien, je ne sais pas pourquoi Lucie a permis à ses amis de nous faire sortir du restaurant de cette façon. Mais Dieu merci, tu m'as enlevé là. Je ne sais pas qu'est-ce qui allait m'arriver. Ma chère, pour cette façon, remercions Dieu. En effet, tu es en vie. Un autre problème. Sache que je vais te protéger dans cette ville. Et tu le sais bien. Tu sais combien de fois il t'a sauvé de ces mauvais chiens qui veulent te tuer. Tu dois saisir cette opportunité, je pense bien la considérer. Elle est ton amie. Bébé, je veux que tu puisses me prendre mon appartement. Je ne peux pas continuer d'habiter avec cette criminelle de femme. Ne t'en fais pas, je verrai ce problème. Hmm? Comme tu viens de le dire toi-même, je vais chercher un bon endroit pour toi, pourvu que tu ne sois pas en contact avec ces gens-là que tu évites. Tu dois les éviter. Ok, là c'est très bien. Le mois prochain c'est mon anniversaire, mais tu ne dis rien à propos de ça. Dina, bien sûr tu fêteras. Ton jour est un peu loin. Tu vas les célébrer. Ok, quel jour que tu veux célébrer alors ton anniversaire? Je veux que ça soit à un endroit où il n'y aura pas de personne. Comme où? Je veux que cette célébration se passe dans la forêt. Entouré des animaux. Qu'est-ce que tu dis? La forêt. Dans la forêt? Oui. Est-ce que ta tête là fonctionne bien? C'est quoi avec toi dans la forêt? Non. Est-ce que as-tu déjà vu quelqu'un qui célèbre sa fête d'anniversaire dans la forêt? Non, je ne peux pas faire une telle chose. Je ne peux pas le faire. Ça me regarde pas si ça existe ou non. Rappelle-toi que c'est mon jour et je veux faire ce que mon cœur désire, que tu le veuilles ou non. Je ne ferai pas une telle chose. Hein? J'ai dit non. Tu invites les gens pour les amener dans la forêt. Et leur vie est entre tes mains. Tu ne peux pas compter faire ça, tu ne sais pas comment serrer la forêt. Gina, j'en ai fini et je n'en parle plus. Je ne peux pas. Gina? Pardon, Gina, on peut l'arranger autrement. Ah, pourquoi tu vas me faire ça, Gina? Avant, je croyais que c'était une blague. Mais maintenant, je suis convaincu que Ekedi et cet homme fou ont un plan. Quelque chose de critique. Ah. Oui, allô? Oui, allô? Qui est-ce? Ekedi! Qu'est-ce que tu veux de moi maintenant? Hein? Ah. Passe encore! Quoi? Boss, voilà encore un autre problème maintenant. Thank you.
je vais t'infliger une grande douleur. Ah! Je vais t'infliger une grande douleur, et t'ai dit que tu n'oublieras jamais. Boss, ne vous inquiétez pas. J'ai les détails de toute sa famille. Mais tu le connais très très bien. J'en suis vraiment vraiment sûr. Nous allons les tuer l'un après l'autre. Petit à petit. Donc nous n'avons qu'une raison de plaindre. Prenez le téléphone, boss. Boss, ce qui me concerne, moi, mon pauvre, je prends l'engagement de faire tomber Eddie. La première chose demain matin, nous devons leur rendre visite. Oui, nous devons leur rendre visite. Oh oui, boss, nous devons leur rendre visite. Ça, c'est vrai. Oh, je vois. Je le vois moi aussi. Ceci n'est plus une petite blague. Je crois que cette histoire a changé de fin. Quelque chose doit être fait. Et qui dit n'est pas peur, nous sommes en train de parler chez toi. Je déclare devant le boss. N'ayez pas peur, boss. Nous sommes là pour vous. Il n'y a rien à beaucoup raisonner, boss. Il va tomber. Sa tête sera enterrée. Boss, il n'y a rien de grave. S'il te plaît, calme-toi. Je suis là avec toi. Je n'irai nulle part. Faudrait juste que tu te calmes. Lucie! Oui, Gina. Qu'est-ce qu'il y a? S'il te plaît, écoute. Je ne suis pas d'humeur à parler. Je ne suis pas d'humeur. Ne me dis pas que tu cries comme ça à cause de ce qui s'est passé hier. Ce n'était même pas de ma faute. C'est pas comme ça qu'on vit avec des amis. J'en suis pour rien de tout ce qui s'est passé hier, alors stop. Hé, hey, arrête de me distraire avec ça. Quoi? Kenneth, tu as gâché mon humeur. Tu peux imaginer, j'ai dit à Kenneth de faire quelque chose pour mon anniversaire. Mais il continue toujours à me contester. Il refuse de tout son cœur. Pourquoi il avait refusé? Pourquoi il a refusé de faire ça? Il est fou ou quoi? Je ne sais pas. Peut-être qu'il est. Je suis en train de penser qu'il n'est pas un bon homme pour moi. Écoute, ma chère. Et je commence à les connaître petit à petit. Je conclue pour dire qu'il ne me convient pas. Ok, Gina. Si je dois demander, qu'est-ce que tu lui as demandé de faire pour toi? Ok. J'ai demandé à Kinetu de faire quelque chose pour mon anniversaire. Du genre... Il doit célébrer mon anniversaire comme cela ne s'est jamais encore fait. Waouh! Dans la forêt. Quoi? Dans la forêt? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi, Tina? Comment peux-tu demander une chose pareille? Arrête! Je dis bien dans la forêt. Quel est ton problème là? Tout ne va pas avec. Waouh! Demander une chose pareille, dis-moi, ça ne te fraye pas? Tu n'as même pas peur que les animaux peuvent venir gâcher ta fête? Hey, s'il te plaît! Où est ton problème? Dis-moi où est ton problème. C'est mon désir. J'ai besoin de faire mon anniversaire dans la forêt. Et s'il ne le fait pas, il n'est pas un bon homme pour moi. Ça n'a pas de sens. Il ne pouvait pas faire ça. Il veut ton bonheur. Oui, il veut ton bonheur. S'il te plaît, il est en train d'appeler. Allez, décroche-lui le téléphone. Décroche, non? Allô? Allô, Kenny, c'est moi, Lucie. Ok, pardon, où est ton ami? Pourquoi il refuse de répondre à mes appels? Pardon, donne-lui le téléphone, j'ai besoin de causer avec lui. Je ne pense pas, elle n'est pas du tout contente. Ah, je crois qu'elle t'a dit ce qui s'est passé entre moi et elle. Oui, bien sûr, on est même en train de parler de ça. Je suis en train de lui parler, mais elle insiste que nous partons dans cette forêt. Elle insistait vraiment. Pardon, est-ce que tu peux me permettre que je vienne là-bas pour la voir? Non, 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 non. Je pense que tu dois la laisser pour le moment. S'il te plaît. Aide-moi alors. Aide-moi à causer avec elle.
Je connais que tu es dans une bonne position pour causer avec elle maintenant. Explique-la juste de bonnes choses, pardon. Fais-lui comprendre ce que je veux. Hmm? Pardon. Oui, je ferai de mon mieux. C'est bien, merci beaucoup. Hmm? Au revoir. Ok, bye bye. Ma chérie, cet homme se soucie de toi. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Hein? Écoute, je n'ai pas besoin de parler avec lui maintenant parce qu'il va encore m'énerver à nouveau. Alors laisse-moi tranquille, je te dis, laisse-moi tranquille. C'est quoi avec toi? Qu'est-ce qui ne va pas? Allez, arrête ça! C'est quoi ton problème? Mes hommes, je vous ai déjà dit quelque chose à propos d'aujourd'hui. Je vous ai dit que vous irez sur les lignes de front. Quelques membres de ma famille ont été tués. Et c'est comme ça que je veux que vous alliez aussi dans cette bataille. Pour la revanche. Et je veux que tout le monde dans leur famille soit détruit. Je veux que Sandra et sa famille soient détruites. Et je veux aussi que c'est Ekedi et toute sa famille soit aussi compté parmi tous ces gens. Je veux que tous meurent. Ne laissez aucune pierre rester non taillée. Et ne revenez que dans cette parcelle avec de bonnes nouvelles. À vos ordres, boss. Votre souhait est en ordre. Les hommes, allons-y! Hey, 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 hey. Tu ne peux pas rester ici pendant que tout le monde est de l'autre côté. Tu dois aller avec eux. Alors prends ça. Assure-toi que ceci soit juste comme ta propre vie. Et laisse que rien n'arrive alors. Tu peux prendre. Allez-y. Allez, montez, allons-y rapidement. Gina, pourquoi tu agis comme ça? Arrête un peu avec ça. S'il te plaît, Lissi, arrête de me distraire. Mais pourquoi tu fais ça, non? Mais bébé, pourquoi tu es comme ça, non? Essaie de te surpasser et oublie toutes ces choses, oui, s'il te plaît. Tu m'entends? J'ai besoin de toi, oh. Wow! Qu'est-ce qu'il y a? Léo! Dis-moi, à quoi? Ma demande est validée. C'est vrai. Tu n'es pas sérieuse. Je suis heureuse maintenant. Oh, je suis heureuse, très heureuse. T'es le meilleur. Oh, cette journée commence bien. Ne t'inquiète pas, je m'occupe de tout. Là, t'es vraiment contente. Waouh, oui. Mon Dieu. Alors, qui est le prochain?
voici. J'ai appris que sa petite amie célèbre son anniversaire. Et je pense que c'est bon pour nous de les surprendre. Oui. Mais Douane, et contente-toi. Où est-ce que ça se passera? J'ai déjà eu toutes les informations nécessaires. Je sais où ça se trouve. Alors, qui est cette fille? Bien, son nom c'est Jean. Elle est une étudiante de l'UNO. Que c'est à cause de la séparation? C'est pourquoi tu danses comme si tu as gagné à la loterie? Ça va chez toi? C'est bon. Bien sûr, c'est une célébration. Vraiment? Oui. En quoi c'est important? Je vais dire, peut-être j'ai oublié. Cet homme a beaucoup fait souffrir ma vie. Je vais dire, je dois dire mon pire cauchemar. J'ai pitié de toi. Tout ça, c'est parce que tu veux pas rejoindre mon gang. Je te l'ai dit combien de fois de venir nous rejoindre. Pourquoi tu refuses de nous rejoindre? Retiens très bien mes mots. Je ne peux jamais rejoindre un groupe de gangs. Je ne peux jamais le faire. Dieu est mon protecteur et non et non. Oh, alors je ne le ferai jamais. Un jour tu y auras des problèmes. Et tu n'auras personne pour te défendre. Tu m'as bien entendu? Y a-t-il un problème? Non. Mais qu'est-ce que c'est ça? Ah. Ça, c'est le message du roi des démons. Oh bébé, tu es très très douce. Je le suis pour toi. Oh oui. Je sais que tu aimes ça. Tu sais que tu m'as beaucoup manqué. Ça fait très 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 longtemps. Tu m'as aussi manqué, bébé. Ah. C'est qui ça, ton fun? Jésus-Christ, qu'est-ce que je vois? Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Bébé! Oh my God! Ah, qui m'a fait ça? Non, je ne fais pas ça! Jésus-Christ!
Et je te dis, vas-y, réponds à ce putain de téléphone. Pourquoi ne réponds-tu pas? Moi-même, je vais gérer cela. Calme-toi. Mon père est parti. Ne prends pas son téléphone. Et qui dit réponds à ton téléphone. Depuis. Oh, mon Dieu. Oh, allô? Allô? Oh, je suis désolé, mon chéri, j'étais vraiment occupé. Bon, y a pas de problème, on peut parler. Allô? Oh, je suis désolé, mon chéri, on peut parler. Je t'ai fait tomber, je t'ai tué, toi qui parais la femme la plus forte. Sache que ton corps se retrouvera la plus forte de retour. Regarde-la comme une petite chienne. Elle était en train de mijoter, elle pensait qu'elle n'allait jamais mourir. Regarde-la comme elle est. Elle est vraiment misérable. Tu ne vaux absolument rien. Bien joué. Mon cher, tire-la, je veux que tu la tires. Hey! Cet endroit, ok? Tu dois partir. Vas-y. Va-t'en. C'est bon. C'est toi la maman des TD? Oui, et qui êtes-vous? Nous sommes les pires de tous vos cauchemars. Alors, c'est fini. Chérie, j'ai beaucoup adoré. C'est quoi? Attends, les téléphones sont répond d'abord. Quoi? Ma maman et ma soeur! Et tu es... Qu'est-ce que c'est? C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Quoi? Non. Calme-toi. Sois calme. Non, attends, tu n'as qu'à te calmer, calme-toi. Peux-tu d'abord te calmer?
tué. Évidemment tué. Donc tu veux me dire que notre mère est morte? Oui, elle est morte. Et c'est pourquoi je suis en train de chercher partout les tueurs de notre maman. Yvonne, est-ce que si tu vois ces assassins, peux-tu les reconnaître? Oui, bien sûr, grand frère, bien sûr. Kedi, me dis quelque chose, non? Pourquoi gardes-tu silence? Mes amis, s'il vous plaît, calmez-vous. Hein? C'est bon, calmez-vous. C'est pas grand-chose. Et c'est vrai. C'est vrai que c'est très difficile et je ne veux pas, en fait, retourner sur ce que nous sommes en train de vivre. Mais ce qui est sur l'air, nous allons s'en sortir. Et Kedi, nom de Dieu, c'est de ma mère que nous parlons. Et tu me demandes de me calmer. Mais calmer, pourquoi? Mon cher, j'essaie. Je comprends parfaitement. Écoute, calme-toi. Elle est morte. Alors, la prochaine fois, nous devons savoir comment nous y prendre pour détecter le tueur. Est-ce que tu comprends ça? Oui. Parce que là, nous devons vraiment trouver une solution. Ce qui compte maintenant, c'est nous et notre sécurité. Calme-toi, mon cher. Ça va passer, sois fort. Ah bon? Grand frère, lorsque je m'enfouillais dans la forêt, j'avais croisé une femme qui est déjà morte. Mais avant sa mort, elle m'avait fortifié et m'avait donné quelques pouvoirs. Attends. Mais c'est qui exactement cette femme? Oui. C'est ça, la bague. C'est une ancienne bague des dieux. Ça a un pouvoir qui peut te rendre invisible. Oui. Alors, montre un peu. Oui, tu peux jeter un regard dessus. C'est vrai ça? Oui. Hein? Attends, oui. Je prends d'abord. Hein? Quoi? Medban! Écoutez-moi, les garçons. Vous devez juste être très très prudent. Est-ce que je me suis fait comprendre? Oui, boss. C'est bon alors. La cigarette. Qui es-tu? Hey! Allez-y, emmenez-le-moi ici. Allez, à genoux. Hey. Tu penses vraiment que tu peux me confondre avec ça? Pendant que ce n'est rien devant moi. Et alors? Pendant combien d'années? Mes hommes, prenez cet homme, prenez cet idiot, cette chèvre et attachez-les quelque part. Emmenez-les. Attendez. Donne-moi cette bague, rapidement. Donne-moi cette bague. Donne-moi ça. Un bâtard. Faites-les sortir. Allez, avance. Emmenez-les. Avance, N'importe quoi. Mon chéri. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est trop, mon frère. Où as-tu eu cet anneau? Et qui te l'a donné? On me l'avait donné là. Hé! Hey! Oui. On est foutu. On est vraiment foutu. Hé! Hey!
les garçons, vous devez être très très prudents. Hein? Vous devez être prudents. Oui. Parce que je sens l'odeur de la faim. Vous devez garder des yeux d'aigle sur cet homme. Parce que je sens l'odeur du temps de la faim. Le gars, nous devons maintenant aller prendre notre position. Allons-y. Oui, allons-y, allons-y. Oui, il est temps de récompenser chacun de ce qu'il mérite. Allons-y. Bâtard. Sortons d'ici. Allons-y. Allons-y. Toi là, allez, bouge. Si tu n'obéis pas, tu verras.
Allez, bouge. J'ai dit bouge. N'importe quoi. Garde tes mains en l'air. Idiot. C'est vraiment un sac. C'est ton meilleur tir. Attends, je t'ai dit. Tu n'es capable de rien faire. Comment ça? Où es-tu? Hein? Oh mon sang! Pourquoi tu t'es caché? Montre-toi! Montre-toi! Si tu es suffisamment homme! Ok. Je comprends. Tu ne sais absolument rien faire. Et je vais te montrer de quoi est-ce que je suis capable. Pourquoi tu te caches? Je t'avais dit que j'étais plus fort que toi, mais tu n'y as jamais cru. Je t'avais dit que l'heure de ta rétribution est arrivée. Tu t'es appelé le roi des démons. C'est moi le vrai roi ici, et je t'en assure. Je vais te montrer que tu n'es pas le vrai roi des démons. Attends, tu vas voir, tu vas voir, tu vas voir, tu vas voir, attends. Prenez-les ici. Tais-toi, bouge. Tu es fini. Prenez ce chemin. Allez, vite. Prenez ce chemin-là. Allons-y. Donne-moi ton chapeau. Enlève tes lunettes. Si seulement tu bouges, je te ferai péter. Idiot. Tu es surpris? N'importe quoi. En toute chose de la vie, il y a un début et une fin. Et voici votre fin. Regarde-toi comme tu es vulnérable, sans repère. Je t'ai eu. Tu vois? Tu vois ta vie? Je t'avais promis que tu ne saurais pas me faire du mal. C'est plutôt moi qui te le ferai. Et l'heure de ton jugement est maintenant. C'est votre fin et je ne suis pas là pour vous cajoler.
rejoignez vos ancêtres. Terminé. Bâtard. Des assassins. C'est la fin. Déposez vos armes par terre. Je répète, déposez vos armes par terre. Vous avez le droit de rester calme. Déposez vos armes. Tout ce que vous direz sera vraiment utilisé contre vous devant la cour. Le studio de doublage d'Aforevo vous propose des services de doublage haut de gamme dans plusieurs langues, dont l'anglais, le français, le swahili, le lingala, le haoussa, le yoruba, le ibo, le tui, etc. Il vous propose également le service des événements directs, des films, des animations, des documentaires et des séries, des publicités radio et télévisées, ainsi que de contenus vidéo en ligne. Nos studios de classe mondiale sont dotés d'équipements HD de pointe. Notre siège social se trouve à Lagos, au Nigeria. Vous pouvez nous joindre via notre email dobbing@aforevo.com, sur Instagram aforevo.dobbing, sur notre site web www.aforevo.dobbing.com ou nous appeler sur 01 51 55 99 précédé du code plus 234 si vous êtes à l'extérieur. Aforevo, le guichet unique pour tout divertissement.
Oh!